J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sylvana. Aïe 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 la voix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sylvana. Donc comme tous les mois j'ai reçu une sélection de produits que j'ai testé pendant 2 semaines et demie. Du coup je vais vous donner mes premières impressions sur ces produits. Alors ce mois-ci ça a été un peu... voilà. Je vais vous expliquer. J'ai reçu de la marque Rice Water Bright. C'est une huile démaquillante légère. Donc en soi, le produit, c'est une bonne idée. Une huile démaquillante, ça me va. Bon, même si j'ai la peau mixte à gras, c'est pas vraiment conseillé de mettre une huile. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Le conditionnement est très très bien avec un petit flacon pompe. C'est une bonne contenance de 150 ml, vous pouvez voir que je l'ai bien bien utilisé. Mais comme c'est précisé sur le produit, c'est un produit que j'aurais pas acheté de moi-même. C'est une huile démaquillante légère. Donc c'est vraiment très léger. C'est-à-dire que le mascara, ça ne le retire pas. Le fard à paupières, ça le retire un petit peu. Le crayon, ça a du mal à retirer. Mais alors le mascara a rien à faire. Donc c'est plutôt... conseiller aux personnes qui font par exemple que le teint, vous voyez, qui mettent un petit peu de poudre ou quelque chose comme ça, oui ça je vous le conseille. Mais si vous mettez du mascara ou autre que vous maquillez les yeux, je vous conseille d'avoir, donc si vous avez ce produit là, de prendre un autre produit, le produit biphasé, le démaquillant biphasé waterproof de chez Sephora par exemple, comme ça vous pouvez faire vos yeux avec le Sephora et le reste... retirer vraiment tout le surplus avec ceci. Donc voilà, c'est... ça aurait pu être un bon produit, mais quand ils disent légère, c'est vraiment très très légère. Et bah moi, vous savez que je me maquille... en général, quand je me maquille beaucoup. Et c'est une galère. Pas possible. Bon après, voilà, je vais le finir, je l'ai bien entamé. Je l'aime bien, voilà, c'est... il sent bon, il est agréable. Mais voilà, déjà c'est pas préconisé pour ma peau et c'est pas assez efficace selon moi. Après voilà, le produit il se veut pas très efficace, hein, c'est pas... il rend vraiment huile démaquillante légère, il pouvait pas dire mieux au niveau du terme de produit. D'ailleurs c'est écrit en français. Donc c'est très très bien, j'ai même pas fait attention. Donc pour moi c'est pas un produit qui est adapté selon moi. Ensuite, j'ai de la marque Thank You Farmer, le Rice Pure Essential Toner. Donc c'est un toner, c'est une lotion qui est testée dermatologiquement, excusez-moi. C'est une très très belle contenance de 200 ml, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup moins saignée que l'huile démaquillante. Comme l'huile démaquillante est très légère, j'en mets plus forcément au niveau de la quantité. Donc voilà. Écoutez, c'est pas un top, c'est pas vraiment le produit à avoir, mais ce n'est pas un flop. Honnêtement, je l'ai bien aimé. Donc, hop, vous voyez, c'est toujours... enfin, le toner, c'est toujours comme ça, avec un petit embout pour faire du goutte à goutte. Enfin, pas du goutte à goutte, mais... pas en mettre trop quoi. Et du coup voilà, je l'ai bien aimé. Franchement je n'ai rien à dire de plus sur ce produit. Je vous avouerai que j'ai même pas regardé. Ça va donner de l'hydratation, lotion éclatante, whitening toner, hydratant et purifiant. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé, honnêtement j'ai rien à reprocher à ce produit. Après au niveau des lotions, c'est rare que je vois vraiment un effet waouh. La seule qui m'a fait waouh, c'était la lotion Pixie, c'était la lissante, je crois que c'était au rétinol, vraiment lissante, j'avais bien bien aimé celle-ci. Après voilà, je l'aime donc je vais continuer à l'utiliser, je suis très contente de l'avoir dans ma collection et d'avoir pu la tester du coup. De chez, alors ça j'avais trop d'espoir, de chez Marina Racuni ou Secret Key. I don't know, what is this? C'est la marque Secret Key et ce sont les Marine Racuni Hydro Gel High End Multi Pack.
Le packaging est vraiment trop trop cute. Franchement, j'avais trop d'espoir. On dirait Fiaca. Franchement. D'ailleurs, faites pas attention à mes ongles. J'ai pas eu le temps de les refaire. Je vais les refaire normalement si tout va bien ce soir. Mais ouais, du coup, on dirait Fiaca. Fiaca qui rougit. Donc, ce sont du coup, si vous l'avez bien compris, des patchs pour les yeux. Alors, j'aime trop ce genre de format. Alors, vous avez même une petite. Petite spatule pour pouvoir retirer les petits pas des pads, c'est des oui, un poil. Enfin voilà. Alors je vais pas trop le pencher parce qu'il y a énormément de produits. Je sais pas si vous verrez, en fait ce sont des paires de masques pour les yeux hydrogel je pense, et en fait c'est un bibelot de produits, c'est super. Franchement je trouve que pour ça, les Coréens sont très très forts. J'en avais eu d'autres que j'avais vraiment surkiffé. Et je trouve que c'est tellement économique, tellement. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve, que d'acheter une paire de masques par-ci, par-là. Et du coup, je n'ai pas aimé ce produit. Il tient pas, honnêtement. En fait, le truc c'est que je les ai posés. J'étais dans ma salle de bain, je les ai posés. Le temps que j'arrive jusqu'à mon lit, les patchs étaient là. Genre, j'ai pas pu. Ils tombent, en fait. Ils glissent. Je pense qu'il y a trop de produits. Je trouve pas que ce soit très très agréable. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment en l'utilisant. Franchement, je suis dégoûtée parce que franchement, j'avais trop envie d'aimer ce genre de produit. Et. Non, c'est pas pour moi, donc je continuerai à l'utiliser. Quand je serai allongée dans mon lit, je pense que je vais me mettre dans ma table de nuit, puis je me mettrai. Donc voilà, mais franchement, je suis dégue de pas apprécier ce produit, mais en tout cas, je suis contente d'avoir testé. Mais vraiment, j'ai pas vu d'effet au niveau des yeux, etc. Franchement, je n'ai pas vu trop l'intérêt de ce produit. En plus, il tient pas au niveau des yeux, etc. Donc voilà. Produit suivant, c'est un sérum. C'est de la marque Bellflower. C'est le Brightening Serum. Donc un sérum éclat en 30 ml. Innovative and trustworthy. Donc voilà. C'est un format de 30 ml. On dirait pas, mais c'en est un. Et du coup, c'est un flacon en plastique. J'étais un petit peu étonnée. Et du coup, c'est un flacon pompe. Ça, c'est génial. J'adore les flacons pompe. Donc, voilà. On dirait que je ne l'ai pas utilisé, mais je vous rassure, je l'ai utilisé. Et ça, j'ai bien aimé. Yeah! Donc, ça, j'ai bien aimé. Ah ouais. Alors, je vous fais voir. Est-ce qu'on voit le 30 ml indiqué sur la boîte? Et est-ce qu'on voit le 50 ml indiqué sur le flacon? Je ne sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas, sur la boîte, c'est marqué 30 ml. Et sur le flacon, c'est marqué 50 ml. Bon, je pense plus que c'est un 30 ml. Et derrière, c'est écrit 30 ml. Mal. Bon, bah écoutez, je pense plus que c'est un 30 ml. Je sais pas ce qu'il fout là, le 50 ml. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'est un bon sérum qui va venir donner de l'éclat, effectivement. Et voilà, franchement, il pénètre assez rapidement. Franchement, j'étais étonnée du temps de pénétration. Et ouais, j'aime vraiment bien ce produit. Donc, je vais continuer à l'utiliser avec grand plaisir. Alors là, en ce moment, j'adore l'utiliser parce que bah, je trouve que j'ai un peu le teint terne, voyez-vous. Et du coup, avec plein de boutons. Certes, mais ouais, j'aime beaucoup avoir des petits sérums éclats une fois de temps en temps. Pas tout le temps dans l'année parce que bah moi je recherche plus par exemple, là j'utilise le sérum anti-imperfection de Sephora. Des fois j'utilise des sérums hydratants parce que je vois que je pèle au niveau du front ou des trucs comme ça. Mais là c'est vrai que j'ai besoin de vitamines. Ensuite. J'ai reçu le Zombie Pack. Le Zombie Pack. Franchement, j'adorais le nom. Zombie Pack. C'est de la marque Skin 1004. Je vous en ai déjà parlé de cette marque. Et j'en étais pas déçue, honnêtement, de cette marque. Du coup, j'étais bien contente de tester. Alors, ce qui était trop fun, alors, c'est que à l'intérieur, vous avez
C'est super, je trouve que le concept est vraiment génial. Alors, à l'intérieur, vous avez un petit pinceau que je dois laver, qui est comme ceci, pour appliquer le masque. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément quand on achète un masque. Donc là, c'est good. Ensuite, on a des petites capsules comme celle-ci, avec de la poudre à l'intérieur. Et vous avez des petits sachets comme ceci qui vont venir activer du coup la poudre. C'est-à-dire qu'en fait, vous ouvrez la capsule, vous mettez le liquide dans la poudre, vous mélangez avec le pinceau et ça vous fait votre masque. Et ça, c'est vraiment cool parce que je sais que parfois, il y a des ingrédients qui ne font plus effet à partir d'un certain temps quand le produit est ouvert. Et du coup, ça, c'est vraiment cool parce que bah, si c'est le cas pour ces actifs-là, au moins vous êtes sûr que vous ne perdez pas le produit. Donc voilà, ça honnêtement, franchement, le kit quand je l'ai découvert, j'étais in love. Par contre, je l'ai testé et il est... Je ne sais pas. Donc d'après moi, il est purifiant. Alors attendez, où est-ce qu'on peut voir ce qu'il fait? Alors ils disent Skin Irritation Test Complete. On va dire. Donc il va venir purifier, donc on va dire nettoyer les pores là, et lifter. Donc ça va avoir un effet lissant. Je l'ai testé une seule fois. Et j'ai encore une dosette peut-être quelque part. Ou j'ai testé deux fois, je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai pas testé beaucoup pour la simple et bonne raison qu'il m'a fait mal. Mais mal, quand je vous dis mal, vous n'avez jamais eu aussi mal de toute votre vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme un masque à l'argile, ça va venir sécher. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en fait, ça sèche, mais ça sèche vraiment. Alors, j'ai essayé de réhydrater au fur et à mesure, mais ça sèche tellement vite que c'est un peu compliqué. Il m'a fait super mal, franchement. Et quand j'ai rincé, j'avais la peau toute rouge. On aurait dit le peeling de The Ordinary. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans un compo qui peut faire ça, mais franchement, c'est pas quelque chose que je conseille. Pourtant j'ai une peau mixte à grasse, donc j'ai pas forcément la peau sensible. Mais alors là, en fait ça doit faire tellement bien effet, parce que je suppose que ça doit faire super bien effet, parce que bah voilà quoi, c'est efficace. Mais après voilà, ma peau elle était agressée de ouf, j'ai eu un excès de sébum de ouf après ça, parce que bah du coup en fait ma peau quand elle est agressée, elle se protège, elle reproduit du sébum, vous voyez. Donc là, après avoir fait ça, bah là depuis, bon déjà il fait chaud, mais depuis je lui de mille feux sur mon nez, le malheureux, il en pouvait plus. Donc voilà, ça je pense pas réutiliser, parce que je vais peut-être réutiliser une fois pour réessayer. Parce que ça m'embête de ne pas les utiliser. Mais j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas eu une bonne expérience pour le moment. Donc, voilà. C'est dommage parce que vraiment, le concept, j'adore. Le fait que vous faites vous-même votre petite popote. Hop, vous avez la poudre, vous mettez le liquide, vous mélangez, vous appliquez. Franchement, c'est simple, facile, efficace. Ça évite de... de retremper le pinceau dans les peaux ou autre. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment génial, mais... Voilà. Et enfin, le dernier produit, c'est de la marque Skin 1004 du coup, toujours. Et là, c'est donc de la gamme Madagascar Centella. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Et là, on a la crème Sun Serum Water Fit 50. SPF et plus. Donc ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Rien à redire sur cette crème. Donc là, on sera sur un format tube avec un flacon pompe. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment bien. C'est une contenance de 50 ml. 50 ml. Et voilà. Le flacon est très simple, très... Ça me fait un peu penser à Drunk Elephant, vous savez, avec les embouts colorés. Je trouve ça très simple, très joli. C'est une crème solaire du coup qui va
Elle est légèrement teintée verte. Et elle ne colle pas, donc ça c'est cool. Enfin, toutes les crèmes, comme je le dis tout le temps, toutes les crèmes solaires collent forcément parce que bah, voilà, c'est une crème solaire. Mais elle ne colle pas trop et ça c'est agréable, honnêtement. Elle pénètre très très bien la peau. Franchement, je n'ai rien à redire là-dessus. Vraiment, je valide à 100% cette crème. Cette crème solaire, donc voilà. Donc UV protection, ils disent anti. Donc éclat, anti-âge. Et là, c'était testé aussi irritation test complete. Donc voilà, c'est la dernière étape. Je sais pas pourquoi ils disent sun serum alors que c'est une crème. Ah, c'est peut-être plus léger qu'une crème, c'est peut-être pour ça aussi que ça colle moins. En tout cas, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, c'est tous les produits que j'ai reçus. Donc vous pouvez voir que ce mois-ci, ça n'a pas été l'extase. Mais je suis toujours très contente de tester des nouveaux produits. Ça me permet de découvrir des produits que j'aurais pas forcément achetés. Et ça me permet aussi de vous dire aussi des produits que je n'aime pas. Le but aussi, c'est de vous présenter aussi des produits que. Qui valent pas l'investissement par exemple. Donc voili voilou. Donc comme d'habitude j'ai toujours mon code promo INF10 illusion que je vous remets juste ici. INF10 illusion qui vous donne 10 à 15% de réduction. C'est 10% de réduction jusqu'à 48 euros. Et au-delà c'est 15% pardon, de réduction sur tout le site de Stylvana. Donc n'hésitez pas à en profiter. Alors je touche une petite commission, je le précise toujours, je touche une infime commission et je fais pas ça pour avoir de l'argent en retour loin de là. Donc voilà pour ça, je suis contente de pouvoir vous faire ce genre de vidéo tous les mois et c'est grâce à vous, donc merci infiniment. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, si vous en êtes content, pas content, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.